Flo et Oli. Tu connais, non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes blues. On est parti à un stage cohésion depuis hier. Du coup, on est rentré dans la troisième semaine de prépa physique générale. Et au planning hier, c'était randonnée surprise l'après-midi et foot, un petit tournoi de foot le matin. Donc voilà, plusieurs animations sur l'après-midi avec vraiment des ateliers de renforcement spécifiques à la discipline. Et ils ont pu camper dans le clubhouse de l'Arche la nuit dernière. Pour aujourd'hui, le matin, faire une petite séance d'entraînement. Je vais chercher l'herbe derrière moi. Et je mets la grippe. 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon. Ça se passe très bien. Je pense que l'objectif des coachs, c'était de faire un stage un petit peu de cohésion, un stage avec de l'inconfort, hein, ce qui est pas mal aussi dans la préparation. Donc ils ont fait pas mal de préparation physique hier. Ils ont fait pas mal de marches avec les sacs et puis ils sont venus dormir hier soir dans des tentes, se sont préparés à manger. Donc c'est plutôt sympa pour la vie de groupe et la cohésion d'équipe. Ouais. Tout au long de l'année, sur toutes les séances d'entraînement et sur toutes les séances de rugby, évidemment, on comptait sur vous pour être exemplaire aussi dans votre comportement parce que ça fait partie de la vie du club. Vous allez être certain dans pas mal de structures, donc il faut y aller. Ce qui est sympa, c'est le cadre et le lieu. Ils sont partis de Chasteau. Donc on travaille toujours sur le régional et puis remercier évidemment le club de l'Arche pour mettre les structures à disposition pour qu'ils puissent dormir effectivement, le clubhouse, le terrain. Donc c'est vraiment sympa d'avoir des échanges avec le club et j'en profite vraiment pour remercier le club de l'Arche pour mettre tout ça à disposition. Je pense qu'on est un bon groupe, on est un groupe qui s'entend bien, il y a des belles choses, après il y a des choses à rectifier un peu, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose à faire cette année. Et on est bien partis sur ce stage, on a revu quelques sorties de camp, quelques contre-attaques, on a mis des choses en place et maintenant on n'a plus qu'à réguler certains petits points et ça ira pour la suite. Ça s'est super bien passé, les garçons ont vraiment été réceptifs à tout ce qu'on a proposé, notamment le prépa physique, puisqu'ils ont eu de bons moments avec le prépa physique, notamment sur la première journée. Ce stage aura surtout servi à rassembler les deux générations, donc 2001 et 2002. Pour vraiment créer une harmonie là, pour le début de saison. Elle est belle! Fouillette, fouillette, fouillette! Sol, 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 sol! Allez, vous la prenez sur la tête celle-là, les gars! Attends. Charge, 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 charge! Sol, 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 sol! Encore, Baptiste! Viens, viens, décale! Flo, prends-le. Donc ce stage c'est fini donc sur la deuxième journée là, sur du rugby. Là, on a pu bosser les coups d'envoi et les sorties de camp sur les infrastructures de l'Arche qui nous ont gentiment accueillis. D'ailleurs merci à la mairie de l'Arche, à la mairie de la Feuillade et au club du RCV qui vraiment ont pu permettre à nos garçons là, de vivre un bon moment puisque le club à Haus aussi avait été réservé pour nos jeunes qui se sont découverts des vrais talents de cuisiniers. Salut, c'est moi, Boubou, la reine des
c'est ça.